Bonsoir à tous, vous allez bien mes amis, un tirage pour une nouvelle lune de Sagittaire. Alors, nouvelle lune de Sagittaire, je vais faire un tirage, il y a trois choix. Il y a deux choix, excusez-moi, pas trois, deux choix. Choisis l'oracle qu'elle parle, je monte les couleurs de l'oracle. Soit le premier, c'est la violette, le couleur. Et soit deuxième, bleu. Alors, choisis quel oracle qu'elle parle pour vous. Je vais voir qu'est-ce qu'elle parle pour vous. Les nouvelles lunes de Sagittaire. Alors, pour le premier choix, pour les gens qui choisissent le premier, la nouvelle lune de Sagittaire. Alors, l'amour de soi, c'est important, connecter avec l'amour de soi. Peut-être prenez plus le temps pour vous soigner, votre peut-être image physique, sentez bien, sentez heureuse dans votre vie avec vous-même. C'est même si vous êtes seul, vous sentez cet amour, vraiment de l'amour de soi. Cette énergie de quelqu'un qui a commencé à prendre soigner votre image, ou soit physique ou psychique, vous sentez mieux. Alors, pour vous, c'est un changement. Il y a besoin d'un équilibre ou un choix à faire dans votre vie et quel choix que vous êtes besoin de prendre. Quel choix vous êtes prendre? Alors, les choix que vous sentez peut-être dans le passé, que vous êtes faire l'erreur, vous sentez toujours la culpabilité à cause du passé ou à cause d'un choix ou d'une situation que vous sentez peut-être pas bien, besoin de prendre ce choix. Alors, les choix, c'est positif si vous prenez les choix. Vous prenez le temps pour vous, vous changez votre vie, vous trouvez votre force et le courage. Vous êtes une personne courageuse, vous prenez l'équilibre dans votre vie, malgré vous sentez peut-être pas bien, mais il y a les choses qui vont se changer pour vous. Et vous êtes passé un prof. Les choix que vous faites, c'est un prof, c'est un obstacle qui vous passez, vous montez à un obstacle vraiment. Et l'horreur que vous êtes, sentez toujours cette horreur, ou sentez cette culpabilité par une situation dans le passé. On verra pourquoi vous sentez cette culpabilité, parce que vous êtes dans le deuil, dans le deuil de quelque chose qui vous doit quitter, quelque chose qui vous doit laisser. À une relation, laisser à une personne partir, ou soit vraiment un deuil dans votre vie, dans votre relation amoureuse, dans votre vie générale. Vous sentez besoin de faire les deuils et sortir cette tristesse. Alors, les forces et les courages, prenez les soins de vous. Et vous êtes beaucoup d'espoir. Les vœux, les souhaits réalisés. Vous prenez votre force. Vous êtes une personne courageuse et vous êtes prêt les choix pour monter un obstacle vraiment. L'obstacle, si vous êtes besoin peut-être connecté avec vous, votre voix intérieure, vous êtes prêt les bons choix pour monter cet obstacle. Si vous sentez pas bien parce que vous êtes dans le passé, vous êtes fait l'horreur dans votre vie, dans votre couple, dans votre mariage, dans votre vie générale. Si vous sentez ça, c'est peut-être besoin vraiment voir qu'est-ce que vous voulez dans votre vie pour changer votre vie. Si vous êtes divorcé, vous sentez toujours la culpabilité et que vous êtes encore dans cette énergie de deuil, de culpabilité, besoin vraiment faire cette deuil et quelque chose qui vous tendez à un changement par l'avenir. Et c'est un changement vraiment, si vous faites les deuils,
vous quittez quelque chose dans le passé, vous laissez quelque chose derrière vous. Et soit c'est quelqu'un qui est plus là, soit c'est une personne qui vous est séparée et que vous sentez toujours cette culpabilité. C'est possible, c'est un amour, une relation, voir avec cette oracle, quelle situation que vous trouvez maintenant. C'est comme un éveil. Vous êtes éveillé complètement et vous sentez besoin d'une nouvelle essence, d'un nouvel amour, d'un nouvel l'amour de soi. Vous sentez une nouvelle essence dans votre vie. Vous voyez, c'est comme cette rose qu'elle commence à naître, qu'elle commence à ouverte. Vous êtes commencé à ouvrir l'esprit. Vous êtes accueilli nouvelle métier, nouvelle relation, nouvelle vie. Si vous êtes dans le passé, que vous sentez triste ou déprimé, pour moi, il y a un changement. Hein. Vraiment, cette nouvelle ligne de Sagittaire, beaucoup de gens qui sentent un changement. Vous séparez, il y a une séparation qui était pour vous difficile par le passé. Vous êtes pris le choix. Et vous sentez maintenant libre par ce choix qui vous êtes prêt, vous êtes quitté quelque chose, vous êtes laissé quelque chose derrière vous. Et l'erreur que vous êtes fait, oui, c'est le choix. J'ai dit, il y a un choix qui vous êtes fait dans votre vie, soit dans le mariage, soit dans la séparation, soit dans l'amour, soit professionnel. Il y a quelque chose qui encore vous regrettez par ce choix. Et c'était deux choix. Et vous êtes pris peut-être les mauvais choix. Alors, les forces et le courage, c'est l'essence à une relation, l'essence à une vie nouveau. C'est comme cette fleur qui commence à ouvrir. C'est une rose qui a une éveil. Vraiment, vous sentez mieux. Et le prof qui vous est passé, c'est la tristesse. La tristesse, les deuils, les dépressions, les souffrances, seule séparation de quelqu'un qui était très cher dans votre cœur. Vous sentez seul, la solitude, vous êtes pleuré beaucoup, vous êtes vraiment passé à une situation très douloureuse. Oui, c'est pour ça que vous êtes passé cette prof. Et les deuils que vous êtes besoin faire, laisser quelque chose, accueillir une nouvelle vie, accueillir un nouvel amour, accueillir une nouvelle relation. Si vous êtes séparé de quelqu'un, peut-être dans le passé, qui vous sentez toujours triste, et l'espoir à l'étoile, c'est quelque chose que vous êtes commencé à guérir. Besoin de calme, besoin de repos, besoin de réfléchir dans votre vie. Et vous êtes une personne, besoin vous vraiment le calme et peu il y a l'espoir pour guérir quelque chose dans le passé. Alors, les connexions antérieures, vous commencez à connecter avec vous-même et besoin peut-être antérieur de vous, besoin l'équilibre, peut-être vous êtes besoin aussi partir, voyager, besoin déplacer, besoin de repos, besoin prendre le temps. Et si vous sentez peut-être pas bien, vous êtes besoin changer l'air. Alors l'avenir pour vous, l'avenir, qu'est-ce que l'avenir? L'avenir, c'est la justice, l'équilibre. Par l'avenir, vous prenez les bonnes décisions. Et peut-être il y a quelque chose, soit une signature de contrat, un travail nouveau, soit un terminé, un divorce, et c'est vraiment faire les deuils, soit une décision importante pour vous, pour prendre une direction. C'est quelque chose qui commence peut-être à une justice de justice. C'est pas toujours tribunal ou peut-être justice, vous, parce que vous êtes prêt à quelque chose, parce que dans le passé, peut-être vous êtes regretté par un choix qui vous est fait et vous êtes prendre cette décision, vous tranchez, vous prenez et vous faites, vous dites les choses en face à une personne.
ou soit régler une situation douloureuse dans le passé qui vous coupez, vous prenez cette décision, c'est la bonne décision que vous prenez. Vous tranchez, vous êtes le pouvoir dire non, peut-être s'il y a quelque chose qui ça va pas. Ou soit dans l'avenir, peut-être il y a un nouvel contrat de travail si vous quittez un travail. Voilà, ça c'est le premier choix. On verra avec les deuxièmes choix. J'espère que ça va parler pour quelqu'un. C'est ce tirage, c'est général, mais je vais faire un petit peu pour les gens qui sont choisis. C'est l'oracle. Commencez à voir. Après, j'ai utilisé l'autre oracle. Alors, les personnes qui choisissent pour une nouvelle lune de Sagittaire. Alors, la carte de soutien. Besoin de soutien. Peut-être vous êtes besoin de sortir d'une situation. Mais il y a la clé. Vous voyez cette carte, c'est la clé. Et vous pouvez offrir une porte ou soit fermer une porte. Mais vous êtes besoin de soutien pour avancer dans votre vie, pour sortir d'une situation. On va voir qu'est-ce que vous êtes besoin de soutien. Vous êtes à quelqu'un très humain, vous êtes généreuse, vous donnez beaucoup, vous êtes besoin d'aide dans une situation où soit il y a quelqu'un qui vient, qui soutient, une personne très humaine, quelqu'un gentil. Si vous êtes dans le difficulté, un proche, une personne, quelqu'un qui vient dans votre chemin, c'est vraiment quelqu'un très gentil, très douce. Et quelqu'un, il y a là beaucoup de gratitude avec cette relation, soit une relation, soit une personne, soit un travail qui vous êtes besoin d'aide. Il y a quelqu'un très très gentil, humain, et quelqu'un qui vous soutient pour sortir de cette situation. Le soutien qui vous êtes besoin, le calme, besoin un petit peu isolé de monde, besoin éloigné pour réfléchir dans votre vie. Il y a quelque chose qui change dans votre vie. Besoin méditer, c'est le calme que vous trouvez la réponse. Et cette personne, qu'elle vient vers vous pour aider par une situation difficile. Vous voyez, la mer, elle n'est pas calme. Vous êtes dans le stress et cette personne qu'elle veut aider pour sortir de ce stress parce qu'il y a une situation qu'elle veut vraiment, vous êtes perdu par cette situation. Restez dans la gratitude parce que votre âme qu'elle demande, connectez avec votre âme et demandez à l'univers qu'elle soutienne pour sortir de ce stress ou ce problème qui vous êtes trouvé dans votre vie. Il y a quelqu'un qui est vraiment comme un cadeau qui vous reçoit, un cadeau à une personne très généreuse, à une personne de cœur, soit une amitié avec cette personne, soit un amour, soit une personne qu'elle entre dans votre vie, c'est vraiment humain qu'elle va aider à sortir d'une situation très difficile. Alors, confiance univers qu'elle voit quelqu'un. Qu'elle voit dans votre chemin quelqu'un qui va aider à sortir de la difficulté. Alors, besoin vraiment le calme, le silence. Vous êtes peut-être une personne qui a perdu l'espoir, mais vous êtes besoin le calme. Restez dans la gratitude et peut-être il y a quelque chose qui énerve qu'elle voit une personne qu'elle va aider à sortir d'un problème. Soyez confiants à l'univers qu'elle change quelque chose, c'est comme un cadeau. L'univers qu'elle voit une personne humaine, qu'elle vous soutienne, ou soit vous rencontrez une personne très humaine, une amoureuse, une personne très positive. Alors, je vois avec cette carte pour le soutien, qu'est-ce qu'elle veut. Quelqu'un soutient. Encore les méditations deux fois. Vous êtes besoin de calme. Il y a quelqu'un qui vous rencontrerait une personne très humaine. Peut-être si vous êtes perdu, vous êtes stressé. Et cette personne qui vous aide pour calmer ce stress, soit une personne amie, une personne à l'extérieur, une amoureuse qui vous rencontrerait, quelqu'un très humain, quelqu'un qui vous aide calmer le stress.
parce que ça sortait la méditation de foi et le silence. Vraiment, vous avez besoin de silence. Vous voyez, vous tombez amoureuse de quelqu'un, quelqu'un très humain, quelqu'un généreuse, quelqu'un qui vous aide. Toutes les difficultés que vous trouvez les soutiennent. Une personne proche de votre cœur, c'est une amoureuse, soit une personne que vous êtes dans le couple, soit une personne que vous rencontrez, un amour vraiment sincère. Alors, la gratitude, restez dans la gratitude, cette personne qu'elle vous aide, soit matérielle, si vous êtes dans une difficulté, cette personne qu'elle aide. Elle est une personne très généreuse et riche dans le cœur, elle est humaine, qu'elle vous aide à sortir d'une difficulté, peut-être l'argent, difficulté de peut-être les dettes ou les choses qui vous arrivent pas à payer, les factures. Alors, cette personne, quelqu'un comme une chance pour vous. C'est une chance que vous rencontrez une personne comme ça. Et vous construire quelque chose de solide. Et vous sentez peut-être une personne qui va aider et construire vraiment une vie commune. Peut-être c'est une personne qu'elle cherche aussi, vous trouvez l'ambiance, un changement à l'ambiance familiale. Vous faites ensemble, vous faites les choses familiales. Ou soit si vous êtes dans la famille, une petite mauvaise ambiance, c'est pour ça que vous n'êtes pas bien. Besoin peut-être prenez le temps pour vous et méditer, réfléchir, votre problème familial réglé, parce que peut-être il y a l'ambiance, il n'est pas bon, il y a peut-être aussi le conflit familial. Et peut-être vous n'êtes pas bien, cette personne, elle est là, qui vous rencontre un amour, et qui est comme un cadeau, comme un cadeau que l'univers qu'elle voit, cette personne qui vous aide par les difficultés. Et c'est quelqu'un très douce, quelqu'un généreuse, et c'est comme une chance pour vous. Alors, une personne qui doit vraiment faire la confiance, quelqu'un confiance. Quelqu'un qui vous soutient, qu'elle aide, qu'elle donne un cadeau, ou soit vous sentez cet amour, ou cette personne que vous rencontrez, c'est comme un cadeau de vie, quelqu'un qui entre dans votre vie, que vous, peut-être, vous attendez pas. Alors, c'est quelqu'un qui est très riche, soit quelqu'un qui donne beaucoup, peut-être elle a une bonne situation, elle a peut-être l'argent, elle a une vie stable. Si quelqu'un, si vous êtes difficulté de l'argent, il peut vous aider. C'est une personne qui vraiment doit confiance à cette personne et confiance à un univers qu'elle va aider pour sortir les problèmes familiaux. Et quelqu'un beaucoup de connaissances, quelqu'un qui sait beaucoup de choses, quelqu'un qui pouvait confiance, quelqu'un discret un petit peu, quelqu'un qui garde beaucoup de secrets, quelqu'un qui a appris beaucoup de choses dans la vie, il a beaucoup d'expérience. Vous voyez, c'est libre, quelqu'un qui connaît beaucoup de choses, soit dans le travail professionnel, soit dans la vie, il a beaucoup d'expérience. Et c'est quelqu'un qui veut commencer peut-être une nouvelle vie avec cette personne. Et si vous êtes prêt, là, c'est lance parce que vous êtes peut-être une personne quelqu'un qui aime aussi le calme, qui aime parfois seul, quelqu'un qui fait beaucoup d'études, il y a quelqu'un qui aime beaucoup lire, beaucoup dans le livre, dans l'histoire, elle a beaucoup de connaissances. Cette personne, c'est quelqu'un riche et quelqu'un qui pouvait confiance à cette personne. Alors, connectez-vous avec votre âme. Alors, pour retourner la force, vous avez besoin de connecter avec votre âme qui demande à une méditation. Et demander les prières et univers qu'elle voit beaucoup les signes. Voyez, c'est derrière vous, il y a beaucoup de signes, mais peut-être vous voyez pas cette signe que univers qu'elle voit. Qu'elle voit la force, qu'elle voit un nouvel amour pour vous. Ben là, c'est un petit message. Si vous l'aimez, partagez, abonnez-vous. Deuxième choix.
À bientôt, mes amis.